Rebonsoir, rebonsoir à tous. On se retrouve pour la troisième partie de notre dicotoin avec comme invité Marcel Leroy, avec comme chroniqueur Thomas Lespiègle. Bonsoir Poppy, bonsoir Thomas. Invité. Caroline la Pétillante. Bonsoir. Pierre le Sage. Bonsoir. Sage. Il est sage, Pierre. Thierry l'Impertinent. Bonsoir Poppy, et comme disait Philippe Blanchard sur Facebook, on remet ça quand on veut. Adrien le Joyeux. Bonsoir, bonsoir. Jean-François le Lobin. Avec ses supporters. Bonjour. Lobe en force. T'as payé Rémi Brica pour venir ou quoi? Simon le Jeune, puisque c'est maintenant notre Benjamin. Rebonsoir. Bonsoir Simon. Et Fabien, l'hyperactif de service. Bonsoir Poppy. Et bien sûr, notre présentatrice Poppy. Ah, on a oublié Dominique. Accompagnée de Dominique, oui. Et Dominique, bien sûr. Alors, pour cette troisième partie du Dicotoin, je fais une petite annonce. Notre invité cherche un professeur de balalaïka. Est-ce que tu peux nous expliquer, Marcel, pourquoi tu cherches un professeur de balalaïka? Tu te souviens? Oui, que tu m'as raconté des histoires. Vous avez bu combien de bières quand vous avez discuté ensemble, Poppy? Non, en fait, tu m'as parlé de Victor, c'est ça? Oui. Mais ça, alors, là, j'entre vraiment... Tu nous le fais en résumé. Hein, tu entres dans la vie de Marcel, Marcel. Marcel. Je suis un peu gêné, c'est un souvenir assez personnel, mais... Oh, mais c'est une... Je vais le raconter quand même, c'est pas personnel, parce que j'aime bien les balalaïkas. Tu ne racontes que ce que tu as envie de raconter, hein, tu sais, Marcel. L'histoire, c'est que l'association Parents d'accueil de Tchernobyl cherchait un journaliste en Belgique qui ait un permis poids lourd. Et il se fait que j'ai un permis poids lourd. Je m'étais dit dans la vie, je devrais peut-être faire un vrai métier. Et j'ai mon permis poids lourd. Et ce qui fait que mon rédacteur en chef m'a un jour dit, écoute, j'ai des gens qui partent dans la région de Tchernobyl, plutôt en Biélorussie, en Bélarus plutôt qu'en Ukraine, dans la région de Gomel qui est au-dessus de Tchernobyl, au-delà de la frontière. Et je me suis retrouvé dans un convoi de vivres, de matériel, différentes denrées, qui était déposé dans une ville qui s'appelle Gomel. On dormait chez des gens, chemin faisant, et en Bélarus, dans la ville de Gomel, je logeais chez un certain Victor. Et je discute le coup avec Victor. Je ne sais plus comment on discutait, d'ailleurs, parce que je ne parle pas le biélorusse. Écoute, franchement, je me suis dit, bon, s'il a son permis poids lourd, il peut parler le Bélarus. On veut parler la vodka. Et à un moment, je lui dis, moi, j'aimerais bien avoir une balalaïka. Il y a un magasin de balalaïka ici dans le coin. Il n'y a plus de magasin ici dans cette zone-ci. C'est tellement sinistré, c'est tellement triste. On n'a plus de balalaïka. Lui, il parle biélorusse, toi français, et tu arrives à lui dire ça. Oui. Il devait y avoir quelqu'un avec nous qui... Il y a quelqu'un qui nous aidait, mais mes souvenirs sont un peu confus. Toujours est-il que Victor m'a emmené dans sa camionnette. On est allé dans une vieille maison qui était fermée, qui était noire, obscure. Ils n'ont plus d'électricité. Il est revenu avec une balalaïka, il m'a donné sa balalaïka, il m'a dit « Ramène-la dans un pays où on a envie de faire de la musique et de chanter, et je te demande de jouer de ma balalaïka. » Eh bien, je n'ai jamais tenu ma promesse, parce que de temps en temps, je gratte un peu les cordes de la balalaïka, et tout le monde dans la maison me dit de foutre le camp le plus rapidement possible et d'arrêter. Allez, défi, nous, dicotoin, on va trouver un professeur de balalaïka. Mais c'est vrai, si j'avais un bon professeur très patient, peut-être que j'apprendrais. Et qui parle gaïole. Français quand même, peut-être quand même. Oh, pas nécessairement. Non. Ça va, ça. Voilà, merci pour cette belle histoire, Marcel. Et on reprend nos définitions, Dominique. Et oui, nous recommençons par un terme de géométrie, le terme... Ennéagramme, E2N-E-A-G-R-A-2-M-E. Adrien. Du grec Ennéa 9 et de gramma, grammos, la figure, le point, le type, qui a donné également le mot grammaire. Ennéagramme regroupe les 9 difficultés de la grammaire française que l'on souhaiterait voir disparaître. En premier, je note la cédille, on voudrait bien la supprimer, ça sert à rien ce truc. Mais imaginez, on va faire des mécontents, imaginez le mec qui s'appelle Grosson, l'inventeur de cette même cédille. Il serait vraiment pas content. Ce qu'on pourrait supprimer, c'est le point sur le i aussi. Mais bon, l'inventeur de l'expression « mettre les points sur les i », ben, il va être choqué aussi. Et si on supprimait, tant qu'on y est, la ponctuation en général? Cela créerait plus d'ambiguïté, mais bon, c'est pas si grave.
Par exemple, la suite de mots « L'élève a dit le maître est un âne » a chaque ponctuation son sens. « L'élève, virgule, a dit le maître, virgule, est un âne. » Ou encore « L'élève a dit, deux points, le maître est un âne. » Et tant qu'on y est, pourquoi pas supprimer l'orthographe ? Certes, la cacographie fait parfois mauvaise impression. Selon Sylvain Tesson, une lettre d'amour pleine de fautes d'orthographe, les yeux débandent. Certes encore, l'orthographe est parfois décisive. Raoul Lambert le prouve. Seule l'orthographe permet de distinguer une pieuvre d'un poulpe. De même pour l'oral. Il est bien facile de distinguer la brume et le brouillard, comme ça se prononce. Ce sont les 9 difficultés de la grammaire française que l'on souhaiterait voir disparaître. Oula. Merci Adrien. Simon, qu'est-ce qu'un énéagramme ? Eh bien, on parle souvent d'étudiens comme s'il s'agissait d'un ensemble homogène de personnes aux mœurs et aux attitudes similaires. C'est faux. Et il est en fait extrêmement facile de classifier les habitants de l'entité en sous-groupes, en prenant comme repère l'endroit où ils habitent. Ce type de classification porte le nom d'énéagramme. C'est en fait une étude comparative des mœurs en prenant comme repère le milieu où ces petites communautés habitent. Prenez par exemple les habitants de Biemsoutouin. Les bienheureux. Faut déjà essayer de comprendre ce qui est passé dans la tête du gars qui a pondu un gentilé pareil. Selon moi, il y a 2 possibilités. Soit il a fait pousser des plantes douteuses le long de la Biemelle, et leur consommation lui ont fait voir des barpapapas jouer à la balle pelote sur la place de l'église. Soit les habitudes consanguines du bled dans lequel il vivait lui ont altéré l'esprit. En parlant de consanguinité, quand on y pense, c'est vrai que Biem partage pas mal de caractéristiques avec Ourp. Il n'y a pas de réseau pour le GSM, il y a une gare qui sert à rien, et les sources d'amusement sont extrêmement limitées. D'ailleurs, l'un des rares passe-temps appréciés du bienheureux est d'essayer de faire en sorte que le radar automatique en zone 30 en face de l'école affiche 3 chiffres en revenant de la cafette du tennis club. Attendez, il y en a pour tout le monde. Le ranicole se différencie également du commun d'étudiens. Le ranicole aime son village, plus que tout, et n'arrivera pas à dormir convenablement si l'ensemble de la population n'est pas prévenue qu'il s'agit d'un des plus beaux villages de Wallonie. Ça, c'est vrai, ça. Ranicole rime avec agricole, et ce n'est pas un hasard. En effet, à Rani, on apprend à conduire un tracteur avant de faire du vélo. On aime par-dessous tout répandre du fumier quand le soleil tape bien fort. Ça dégage le nez, Sam gamin. Bon, savez, monsieur, nous, on le sent plus, hein. On parle aussi très bien wallon à Rani, parfois même mieux que le français pour certains. Cela s'observe dans des phrases courantes telles que « Tu veux que je le prends ?» ou « Didjou, faut pas qu'il pleut pour qu'on fait les foins. » Dans un autre registre, le ranicole connaît les bases du golf. C'est-à-dire, il sait qui appeler pour remplacer son pare-brise. Et c'est pas Carglass, parce qu'une balle de golf, c'est bien plus gros qu'une pièce de 2 euros. Le ranicole fait aussi vivre les vendeurs de piscines, et il a la capacité innée de jouer au football avec un dénivelé de 5%. Le biersois, ou biercéen, parce qu'apparemment on peut dire les deux, a aussi un mode de vie bien à lui. 2 grandes figures du village sont inévitables. La première figure est Eugène et Delia. Parce que oui, ils ne sont en fait qu'une seule et même personne, vu que leurs noms sont systématiquement cités ensemble. Eugène vous gratifie habituellement d'un « Salut jeune homme » en coupant une tranche de jambon tout en vous fixant dans les yeux. Et Delia, derrière son comptoir, commence tout doucement à fusionner avec son fauteuil de cuir noir. L'autre figure emblématique de Bercé, c'est le monsieur qui regarde passer votre voiture avec son gros manteau Adidas quand vous allez justement faire des courses chez Jeune et Delia. Le plus grand défi du Biersois se déroule le 2e lundi de juillet, lors duquel il tente d'enterrer une tarte avant d'être enterré lui-même. Le foie ruiné par des flambées. Phrase qui revient souvent. « Mange la cerise, c'est le meilleur !»« Mais non, c'est pas si fort. Regarde les sœurs Malvées comme elles sont fraîches. »
Après, je vais pas tous les faire. J'aurais pas mal de difficultés à m'étendre sur les dons stiennois ou les lire soi. À part peut-être au sujet de leur proximité douteuse avec le Only for You. Mais ce serait de mauvais goût. On peut aussi réduire l'échelle et travailler par quartier, avec par exemple les habitants du rivage. Moyenne d'âge 76 ans, moyenne de dents 4. Ceux de la maladrie, moyenne de guérite complète à Saint-Roch 0. Ou encore ceux de la cité de la demi-lune, aussi appelée la TC McCoy. Mais je m'arrêterai ici. Moi que ça fait du bien. Moi je veux pas continuer. Non. Merci Simon, je crois que tes parents viennent de quitter la salle. Voilà. Ainsi que 89 spectateurs. Caroline, à toi. Oui non, je sais pas si c'est nécessaire en fait. Alors, Ennéagramme est une phrase qui va devenir de plus en plus courante d'ici un mois. En effet, les fêtes approchent à grands pas avec son lot de foie gras, bûches et dindes. D'autres dindes, dont j'assume en faire partie, gloussent actuellement dans les magasins. La période de chasse est ouverte, il faut chercher son habit de lumière. Pas de pitié, je l'ai vu en première cette robe à sequins. Sauf que celle-ci devra convenir pour plusieurs occasions. Vu l'investissement, ce n'est pas pour laisser cette merveille dépérir dans sa garde-robe, se dit-on pour ne pas culpabiliser, évidemment. Pour cela, une seule règle, il ne faut pas prendre de poids. Mission impossible en sorte, d'où la menace qui reviendra souvent lorsqu'on croisera cet outil de torture communément appelé balance. Et néagramme. Non, ne vous inquiétez pas. Non, ne vous en faites pas, ça ne se comptera pas en grammes, non, en kilos peut-être. Et oui, ce changement de chiffre est catastrophique, surtout si votre balance s'appelle WeFit et qu'en plus de vous démonter à coup d'un nombre injustement augmenté, vous montre votre petit personnage s'épaissir en largeur, la garce. Comme d'habitude, on promettra dès le 1er janvier de se remettre au sport, ne plus craquer sur le premier chocolat qui vient et de manger équilibré. Tout cela avant de croiser le regard d'un colis Ferrero Rocher offert par mamie, car, eh oui, c'était Noël. Quoi de mieux que ces petites douceurs pour accompagner une dringuée, franchement. Les délaissés seraient grotesques et un véritable affront pour notre grand-mère chérie. Et puis 1, 2, 10, ça change quoi? Alors, Ennéagramme est donc l'expression favorite des dindes avant, pendant et surtout après les fêtes. Merci Caroline. Et on va encore se faire une petite définition peut-être. Mais écoute, il semblerait que quelqu'un s'est débrouillé pour ne pas demander la bonne définition à nos diconeurs. J'entends une petite annonce technique. Salut cher Poppy, comme j'ai trouvé votre émission super géniale la dernière fois et qu'en plus le mec qui se nomme Fabian est super craquant, et je ne dis pas cela uniquement car c'est lui qui écrit ce que je raconte. Je suis revenu pour vous dire que Ennéagramme est à l'origine une figure ésotérique. Le mot a été construit avec la racine grecque éni qui signifie neuf. Et gramma dont le sens est figuré, figurez-vous, dirais-je, que je suis drôle. Cette figure fut utilisée et probablement conçue par Georges Gurdjieff, l'ennéagramme, dans des conceptions dérivées. C'est diffusé comme une méthode de développement personnel au travers de divers auteurs à partir des années 1970 aux États-Unis, dans le courant de la psychologie humaniste. Voilà ma chère Poppy et les diconeurs. Au plaisir d'intervenir dans le dicotuin. Tuin. Voilà. Magnifique. Enfin, quelque chose de culturel magnifique. Encore dans cette émission, ma chère Poppy. Oh là là, mais elle me fait peur, ta copine. Elle a une drôle de voix quand même. C'est elle, Jacqueline, en fait. Merci, Fabien. Donc, Marcel. Ah, Marcel. Ennéagramme. Je suis toujours là. Ennéagramme. Sons, 9 difficultés de la grammaire française. Une étude comparative des mœurs. Une balance. Ou un terme géométrique. C'est rien de tout ça. C'est... en fait, c'est dans la fin du dictionnaire avec les noms propres. Oui. En fait, c'était anagramme. Qui était la fille de Zénobe Gramme, inventeur de la dynamo.
Elle adorait rouler à vélo et le soir, elle devait rentrer chez elle, à la rue Zénobe Gramme à Charleroi, dans le noir. Et son père, Zénobe, a inventé la dynamo. Mais c'est... Anna Gramme n'est pas entrée dans l'histoire. C'est seulement la dynamo grâce à Zénobe. Oui, 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 bien sûr. Ce qui est drôle, c'est qu'on m'a demandé à l'entracte si on lui avait donné les mots avant. Même pas. C'est ça qui est amusant. Eh bien, c'est la bonne réponse, Marcel. Et je le savais. Merci beaucoup. Et nous passons au jeu du qui a dit de et par Thierry. Et oui, Poppy. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau jingle pour le jeu. Je suis sûre qu'ils n'entendent pas dans le fond de la salle. C'est Winnie. Merci. Voilà. Le but de ce jeu est de retrouver l'auteur réel des citations, et ce, le plus rapidement possible. Ne réfléchissez donc pas, c'est toujours le troisième. On commence. Avec l'équipe de droite ? D'accord. Qui a dit ? Un journal coupé en morceaux n'intéresse aucune femme, alors qu'une femme coupée en morceaux intéresse tous les journaux. Est-ce A, Pierre de Jardin, B, Marcel Leroy, C, Tristan Bernard? Tristan Bernard. C'est tout à fait ça. C'était pas le dépasseur de Mons. On va passer qui a dit, à l'équipe de gauche. Oui. Qui a dit, chez nous, il n'y a que l'ancienneté qui paye. Seulement, ils vous catapultent à la retraite de plus en plus tôt. S, A, les ouvriers de chez Ford. B, Sébastien Brousse. D, Frédéric Dard. Et oui, c'est Frédéric Dard. Bonne réponse de l'équipe de gauche. On repasse à droite. Qui a dit, il monta sur les deux genoux toutes les collines ayant une chapelle à leur sommet. S, A, le doyen Hardy à propos de Nicolas Méry. B, Paul Furlan à propos de François Joye. Ou C, Gustave Flaubert à propos de Saint-Julien l'Hospitalier. Flaubert. C'est ça. Une petite question pour notre invité. Ah, l'invité qui a dit « Je ne nargue personne en venant ici, même si ça chauffe un peu ». Michael Leclerc, singleton de l'opposition débarquant au conseil communal. La présidente des Cerises et une réunion à huis clos du comité Saint-Roch. Ou le patron d'Icewatch à propos de l'ouverture de son magasin à Genève. Troisième réponse. Bravo. Il est fort cet invité, il est fort. C'est fini Thierry. Non. Qui a dit, gardons, j'en ai encore trop. Allez, 3, 4. Allez, gardons les traditions européennes, bannissons le christianisme, les chiffres arabes, l'architecture grecque, revenons aux guis et aux druides. A, Astérix. B, les crétins de Facebook à propos du sapin de la Grand Place de Bruxelles. Ou C, Marcel Sel à propos de ces mêmes crétins. Marcel c'est Marcel. C'est moi. L'autre. Qui a dit, mais finalement, d'où viennent les recettes des communes ? A, les restaurateurs tudiniens. B, mon ordinateur qui bug en tentant d'accéder au site de la ville et qui m'écrit recettes. Ou C, Marcel Leroy à Paul Furlan. Dans son excellent ouvrage. On ne le saura jamais puisque maintenant c'est devenu un roman. Un roman policier. Qui a dit Become a sex magnet ? Le personnel de la SNCB ? Les voyageurs de la SNCB ? Ou un spam pour le Viagra reçu 37 fois hier ? Et enfin, qui a dit Jojo, tu me donnes en riant des nouvelles d'en bas. Je dis mort aux cons, bien plus cons que toi, mais qui sont mieux portants. A, Bruno Brel à propos du grand Jojo. B, Fabien Brel à propos de Jojo le haricot. Ou C, Jacques Brel peut-être à propos de Jojo du Châtelet. Ah. Allez, troisième réponse. Ah. Comme quoi, Poppy, on peut être acide et avoir des sentiments. Oh, merci Thierry. Oh là là. Tu es émue, Poppy. Oui, un petit peu. Et Dominique, parce qu'on est déjà à la fin de la troisième partie, figurez-vous. Dominique a un petit livre. Oui, aussi, oui. On rabote.
Non, on ne rabote pas. C'était une émission. On radote. On radote. Dominique a un livre pour notre invité. Et oui, encore un superbe ouvrage pour vous, Philippe. Je peux toujours t'appeler par ton prénom, Marcel. Hein, oui, un livre qui s'appelle 2001, trucs ménagers. J'ai oublié l'auteur. On me souffle Stanley une brique, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment lui. Stanley une brique, 2001, trucs ménagers. Bon, allez. Un peu indigeste comme calembour, j'en conviens. Un livre d'un autre temps qui se discute lentement, écrit comme un télex, sans temps mort ni ponctualité, comme au bon vieux temps du journal de Charleroi, quand les emails n'existaient pas et que la qualité primait sur l'immédiateté. Quand les journalistes écrivaient encore les articles à la main et que les plus innovants se permettaient d'utiliser la machine à écrire. Quand le journal de Charleroi était encore à Charleroi. Quand la Nouvelle Gazette ne s'appelait pas Sud Presse et faisait du vrai journalisme d'investigation, sans GSM qui tombe quand il ne faut pas tomber. Pardon, Caroline. Tu viens de perdre ton boulot, Caroline. Quand mon pote Mick chantait NJ et moi là, jouer au samouraï, à Nostalgie, quand tu nous tiens. Donc, 2001, truc ménager. Je vous épargne la lecture des quelques-uns que j'ai sélectionnés. Ça ne sert de toute façon à rien, Marcel. Cadeau. J'en connais déjà 2000, mais je vais en découvrir un. Voilà, on en découvrira au moins un. Permettez une petite seconde. Je vais quand même vous lire un truc ménager. J'ouvre au hasard. Si la tête du marteau n'est pas solidement fixée aux manches... Frottez celui-ci avec un mélange de glycérine et d'eau qui fera gonfler le bois. Ça, c'est le hasard. Merci, Marcel. Okay. Merci, Marcel. Et on se quitte avec un jeu... Non, c'est pas un jeu. Une chronique de Pierre. Non, pas une chronique. Tu m'as dit tantôt... Une intervention de Pierre, on va dire. Une pierre, quoi. Une rubrique, si tu veux. Une rubrique, voilà. La rubrique de Pierre. Pour vous, j'ai testé. Pour prendre distance par rapport aux idées reçues, aux idées toutes faites, ma femme dit toujours, quand on reçoit quelque chose, on s'empresse de défaire le ruban et d'ouvrir l'emballage avec les idées reçues. Eh bien, soyons critiques, soyons curieux. La curiosité n'est pas qu'un vilain défaut. Ma femme dit aussi, à défaut de curiosité, on perd en qualité de vie. Et une idée toute faite, c'est « Waouh, le dicotouin, c'est trop la classe ». Voilà une idée reçue, mais avouez que c'est vite dit. Déclenchez le chrono. Ouah, le dicotouin, c'est trop la classe. Arrêtez le chrono. À peine 2 secondes, c'est vite dit. Alors, pour vous, j'ai réalisé une analyse, une analyse du rapport qualité-prix et une étude comparative à propos du dicotouin. Alors, en ai-je le droit, en ai-je autorité? Eh bien, là, vous posez déjà une bonne question. Vous avez déjà commencé à comprendre. Donc, humblement, je peux évoquer 3 angles de vue différents, puisque j'ai eu la chance ici, tour à tour, d'être spectateur, d'être invité, d'être journaliste, des enregistrements. Et le test a été effectué avant que je ne sois parmi les 10 conneurs. Je ne suis donc pas juge et partie. Et pour la méthode, j'ai réécouté les enregistrements des 7 émissions. Au niveau de la qualité, 7 constats. 1. Les applaudissements. Je n'ai pas tenu compte des applaudissements pendant le générique qui sont suscités par un animateur, ni des applaudissements des 10 conneurs qui sont, eux, jugés partis. Mais là, pas de difficulté, puisque leurs applaudissements sont sourds. Conclusion, on constate des applaudissements nourris, non seulement en fin d'intervention des chroniqueurs, mais aussi spontanément pendant l'intervention. 2. Les rires. Ils sont fréquents, ils sont homogènes. L'ensemble du public rit. Ce ne sont pas seulement 1 ou 2 rires disséminés dans la salle. On entend nettement que ce ne sont pas des rires de surface de complaisance. 3. Autres critères importants, la grande qualité des invités. Et l'évaluation a eu lieu avant cette édition et donc avant l'accueil de Marcel, le roi des journalistes. Ce qui aurait encore élevé le niveau. D'ailleurs, ma femme trouve que tous les invités, sans exception, ont été des gens de grande qualité. Des mauvais esprits ont pensé qu'une fois, avant les élections, la quantité a dû compenser la qualité avec l'invitation de 5 personnes. C'est une mauvaise pensée. Ce n'est pas parce qu'une pensée vous effleure qu'il faut en faire tout un bouquet.
Celle-là, je vous la répète avec un effet d'écho pour le cerveau long. Ce n'est pas parce qu'une pensée vous effleure fleur, qu'il faut en faire tout un bouquet. Okay. Alors celle-là, elle est de moi, pas de ma femme. Quatre, je n'ai pas tenu compte des articles de journaux, parce que, évidemment, si on commence à croire ce que racontent les journalistes, on n'est pas sorti de l'auberge. Par contre, cinq, j'ai tenu compte des réactions sur les réseaux sociaux d'Internet, qui sont largement positifs. Six, j'ai encore noté la déclaration publique du directeur du Centre culturel de Thouin-Haute-Sambre, le samedi 20 octobre à 20h21, ici même, introduisant un autre spectacle et commentant le dernier enregistrement du Dicotouin, il a dit, ouvrez les guillemets, au Dicotouin, ils sont vraiment très forts, fermez les guillemets. Il a répété des choses du même genre et sans contrainte au micro et à la caméra de Télésambre dernièrement. 7. Enfin, je n'ai pas consulté tous les médecins de la région, mais ils ne m'ont pas signalé de cas d'allergie. On m'a par contre rapporté des effets secondaires très positifs, tant sur le moral que sur le transit intestinal. En effet, la soirée n'est ni constipante ni chiante. Donc, au niveau de la qualité, on peut en toute objectivité décerner une mention d'excellence au Dicotouin. Voyons maintenant le rapport qualité-prix. Il a 4 commentaires. 1. Le prix de l'entrée était gratuit à la première édition, et vu le nombre de plus en plus important de spectateurs, il a pu être diminué encore à chaque enregistrement. Ce qui n'est donc vraiment pas cher. Vu la qualité que nous venons de démontrer objectivement, vous pouvez franchement inviter des amis. Choisissez des amis qui habitent plus loin de Thuilly que vous, et de façon à ce que vous habitiez sur la route qu'ils doivent prendre pour venir à la salle. Ils vous proposeront sans doute, s'ils sont de vrais amis, de passer vous prendre. Au prix du carburant, c'est fort intéressant. À l'entracte, ces amis enchantés du spectacle de qualité, pour vous remercier, vous proposeront sans doute de vous payer un verre. Surtout si vous leur avez dit qu'ils ne devaient pas se préoccuper des entrées sans leur avoir dit que c'était gratuit. Je vous suggère cependant de décliner poliment leur offre, parce qu'alors, il serait de bon con de leur repayer un verre. Glissez-vous plutôt dans un petit groupe de 4-5 personnes. Vous pourrez profiter d'une, voire deux tournées, ou davantage, surtout s'il y a un politique dans le groupe. Et comme l'entracte ne dure pas éternellement, ce serait vraiment pas de chance que votre tour arrive de payer la vôtre. J'ai dégusté une délicieuse chimée blanche à l'entracte. Enfin, seule une petite dépense est peut-être à prévoir, mais uniquement pour les aînés ou celles et ceux dont il ne faudrait pas prendre la vessie pour une citerne. C'est un protège-slip. Et vous pourrez peut-être en trouver des échantillons gratuits en pharmacie. C'est important car les diconeurs rivalisent d'ingéniosité pour vous faire pisser de rire. Mais même en cas de fuite, ce n'est pas grave. Ce sont quand même des chaises en plastique. Il suffit d'essouiller discrètement. Par contre, ces chaises en plastique nous ont empêchés de procéder à un test de satisfaction supplémentaire qui aurait été une mesure tout à fait objective. En effet, avec des sièges en velours, on aurait pu insérer des sondes hygrométriques qui auraient permis de mesurer scientifiquement la jouissance du public. Oui, bois un petit coup. En conclusion, au niveau du rapport qualité-prix, on peut donc aussi délivrer une mention d'excellence au Dicotouin. Enfin, et j'en terminerai par là, une étude comparative. En fait, c'est la meilleure solution pour savoir si c'est mieux ailleurs ou mieux qu'ailleurs. Il fallait donc comparer avec un événement comparable. Et nous avons en effet trouvé un événement tout à fait comparable, un événement qui a lieu lui aussi un soir de semaine et pas un vendredi,
qui débute aussi à 19h30, qui a lieu dans l'entité, dont l'entrée est libre et gratuite, qui est répétitif, où le public fait face à des acteurs placés à table en arc de cercle, où les intervenants disposent d'un micro et de rafraîchissement, où une personne distribue la parole, où l'on peut rencontrer parfois l'une ou l'autre invitée, où les interruptions de séance sont possibles et décidées par l'animateur, où la presse écrite suit le débat, au moins un en tout cas. Peut-être que certains auront compris qu'il s'agit du conseil communal. Si le conseil communal marque d'emblée deux points de préférence par rapport au Dicotouin, ces deux points sont évidemment, un, la qualité de ses sièges, et deux, le prestige du local, nous constatons nombre de points qui lui sont par contre défavorables. Le parking et l'accessibilité, y compris pour les personnes à mobilité réduite, sont plus confortables au Dicotouin. Ici, les toilettes sont de plein pied. Au conseil, elles sont au sous-sol, ce qui a son importance, car si d'un côté, on vous ferait bien pisser de rire, de l'autre, ils sont parfois plus chiants. Ici, on dispose d'un bar. Et alors, au niveau du contenu, au niveau des textes des intervenants, là, il n'y a vraiment pas photo. Au Dicotouin, chaque diconeur intervient et a préparé ses interventions. J'en connais un qui a bien fait de venir. Au conseil, ils sont pourtant plus du double de comiques. Mais seuls 5 ou 6 sont préparés et disent leur texte. C'est moins de 25%. Certains, au cours de toute une mandature, pendant 6 ans, ne disent jamais que « oui, oui, oui ». Certains osent parfois un « non ». Comme dit ma femme, s'ils jouaient au jeu du « ni oui, ni non », ils seraient tous éliminés, ils faudraient déjà voter. Autre point au niveau des applaudissements, au conseil, ils n'ont lieu que pour remercier l'un ou l'autre invité, qui est souvent, pratiquement toujours, même quelqu'un de sérieux. Quant au rire, n'en parlons pas, juste quelques rares sourires quand l'ambiance est à la détente, et parfois ils rient jaune, quelle que soit leur couleur politique. Enfin, contrairement au Dicotouin, au conseil, il y a plus d'acteurs que de spectateurs, il y a 2 fois plus de comiques et 10 fois moins de public. Cette étude comparative confirme pleinement la mention d'excellence décernée déjà par l'analyse du rapport qualité-prix. Mais qu'on me comprenne bien, je ne vous dis pas « venez au Dico et fouillez le conseil », que du contraire, vérifiez, soyez curieux. Ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant. Et de toute façon, de l'argent, je ne vous en donnerai pas parce que ici, nous sommes bénévoles. Encore une différence avec le conseil. Et donc, je vous invite à aller au conseil communal et peut-être par votre présence, par vos relations, par transmission de pensées, parviendrez-vous à enrichir l'un sans appauvrir l'autre. Eux aussi ont besoin de public. Rendez-vous donc au prochain conseil communal à l'hôtel de ville ce lundi 3 décembre à 19h30. Il sera un peu spécial. Pour une fois, il risque d'y avoir du monde car c'est comme la distribution des prix. Il y aura sans doute le conjoint, papa, maman, les enfants pour venir voir les nouveaux élus prendre leur siège. Et j'espère qu'eux aussi feront de la pub pour nos prochaines séances ici. Oui. Magnifique, Pierre. Et on clôture avec ça, avec cette belle intervention, notre troisième partie. Merci à tous. Merci, 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 merci. Pierre. Merci à tous les diconeurs. Merci au conseil communal. Au revoir.